MP. Calme-toi. Tu es bien trop âgé pour penser à de telles choses. Mais folle. Bonjour, comment tu vas? Mon ange. Ma petite maman chérie. Comment vas-tu mon chéri? Très bien. Je veux absolument que tu notes ce jour dans ton calendrier, car c'est un jour de changement. Il y a du nouveau pour moi. Ah, je sais. Tu t'es chamaillée avec Sylvia. Allons maman, tu es obsédée avec ça. Eh bien non. Non, c'est que je m'inquiète pour ton futur mon fils. Et cette Sylvia, Oublie Sylvia. Changeons de sujet. Raconte-moi comment c'était ces photos. À ton avis maman? Excellent. Et tu sais qui j'ai vu? Qui? Isabella. Tu as fait sa connaissance? Est-ce qu'elle te plaît? Non. Je ne dirai rien. Toi, parle-moi d'elle. Dis-moi tout ce que tu sais. Non. Raconte-moi d'abord. Dis-moi. Allez. Maman, allez, viens, dis-moi. Juste ça. Oh mon Dieu, j'ai réussi. Ça y est. Allez, raconte-moi ça, maman. Que veux-tu savoir? Je te dirai tout. D'accord. Comment est-elle? Elle est jolie, je veux tout savoir. Elle a beaucoup d'argent. C'est génial. C'est une fille bien, très séduisante, et elle n'a pas de mari. Son mari est mort en Italie. Ouais, super. Un autre chanteur. Eh, ça vous dit que Tony et son chanteur folklorique reviennent sur scène là? Non. Ne fais pas attention à lui, c'est tout ce qu'il cherche. Conan, c'est merveilleux ça, hein? La vérité, c'est que tu aurais dû faire ça toute ta vie. Tu crois que j'ai pas pensé à ça ou quoi? Ah, et alors, hein? Tu as peur de ce que peut penser mon oncle? J'ai peur pour lui, pas pour moi. Ce serait un coup de dur pour le vieux. Il veut que je poursuive absolument la tradition familiale, que j'étudie l'éducation physique et que je me charge de l'Olympe. Mais tu sais quoi? Mon oncle doit te comprendre. Si tu veux, je peux parler avec lui. Non, je préfère pas, Sylvia. Laisse-moi le faire en premier. Quand? J'espère que ce sera bientôt. Parce que tu es en train de laisser ce que tu aimes le plus dans la vie par peur, Conan. Et c'est très mal. Merci pour ton opinion, Sylvia. Pas de quoi. Garde-les. Et pense-y, hein. Mon amour. Laura, ça suffit, tu ne crois pas? Non. Laura, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Tu as assez bu, là, hein? On rentre à la maison. Laura. Non. Je te jure que je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce qui se passe, c'est que tu as bu beaucoup de verre, ça y est. Non, je ne peux pas me contrôler. Bon, tu dois te contrôler, nous devons y aller, tu sais. Laura. Non. Fais attention, j'ai comme des chatouilles. Oui, mais un ça suffit. Écoute-moi, il est l'heure de partir, hein. S'il vous plaît, monsieur, apportez-moi l'addition. Monsieur, apportez-moi la carte. Très bien, monsieur. Apportez-moi la carte. Non, attention. Je veux la carte. Excusez-nous. Oh mon Dieu. Laura. Ah, mon amour. Allez. Relève-toi, allez. Mon amour. Qu'est-ce qu'elle a? Non, rien, on s'en va. La prochaine fois, nous viendrons en avion. Arrête, ce bateau... Eh ben, elle a un petit peu trop bu, mais c'est bon, je vais la ramener, d'accord? Bon, je m'en vais. Lorita, écoute-moi. Lorita, prends ça pour te couvrir, s'il te plaît. Okay. Tu es toute trempée, mon Dieu. Non, je suis pas mouillée, pas vrai. Ce qui se passe, c'est dans ton restaurant, il y a des fuites d'eau partout. Je vais la ramener. Viens.
Je veux rester ici, non, Lorenzo, tu veux que je t'aide à la ramener jusqu'à la voiture? Non, ne t'en fais pas, je vais l'emmener. Non. Attention. Ne marche pas sur le verre, tu vas te couper. Hein. Sac à main, s'il te plaît. Isabella, attrape-moi le sac à main, s'il te plaît. Merci, ne t'en fais pas, je l'emmène. Désolée pour tout le mal causé. Hein. Je veux danser avec toi. Allez. Alors comme ça, Isabella était la petite amie de Lorenzo Valenzuela? C'est ça, le patron des textiles Paracas. Ils sont pas mariés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette rupture? Sincèrement, je sais pas. Mais ça l'a vraiment détruite. Mmh. Ensuite, elle a rassemblé un peu d'argent, et puis avec l'argent que lui a laissé sa mère quand elle est morte, elle est partie en Europe. Elle est partie refaire sa vie, hein? Et c'est là qu'intervient l'histoire que tu connaissais. Elle est mariée avec un vieux millionnaire, et 3 fois plus âgé qu'elle. Et comme il avait beaucoup d'argent, tu sais beaucoup? Pas... Oh oui, quand il est mort, il lui a laissé tout son héritage. Imagine-toi un peu la quantité. Spectaculaire. J'ai une question, maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Il n'y a rien. Comment ça rien? Ma petite maman, ne me le cache pas. Parce qu'entre toi et moi, ce mot n'existe pas. Il n'y a aucun secret. Donc, raconte-moi. Dis-moi ce qu'il y a entre vous. Pourquoi tant de cachotterie? N'insiste pas, tu sais que je suis faible. Dis-le-moi, s'il te plaît, dis-le-moi. Non, je peux pas. Dis-le-moi, maman. Mimi n'est pas là, t'en fais pas. Bon, tu le racontes à personne. Non, entre toi et moi, toi et moi. Promis, hein? Je te le promets. Isabella est mon associé. Ton associé dans l'atelier? C'est merveilleux. Chut, le répète à personne. Elle veut que personne ne le sache. Entendu? Non, ne t'en fais pas, je ne le dirai pas, ma petite maman. Tu te rends compte de ce que nous allons venir tous les deux? Tu me donneras quelque chose, j'imagine. Je savais bien que je te trouverais là. Qu'est-ce que tu as? Mimi, laisse-moi seule. Ça ne t'a pas plu que je remette Titus à sa place? Ça m'a mise en colère quand il a commencé à se moquer de toi. Merci, maintenant ils pensent tous que j'ai besoin d'une femme pour me défendre. Où est le mal? Nous sommes un couple maintenant, non? Un couple, toi et moi? On s'est embrassé? Écoute, un baiser ne veut rien dire du tout. Je te comprends pas. D'abord tu dis que tu es les hommes, que l'amour c'est idiot, et là tu dis que nous sommes un couple? Tu sais quoi? Titus avait raison. Tu es un vrai lâche. Mimi! C'est bon, voilà. Pourquoi tu ne te couches pas, hein? Mais oui, enfin, pourquoi tu ne te couches pas? Chérie, pourquoi tu ne te couches pas? Tu seras beaucoup mieux dans ton lit. Hein? Allez, viens. Allez, couche-toi ici. Attention, voilà, doucement. Viens, allez, laisse-moi t'aider. Laura, n'insiste pas. Mais une autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà dit que t'étais super sexy. Oui, merci. Tu ne me l'avais jamais dit. Bon, écoute, je ne t'avais jamais vu comme ça. Si, c'est vrai, je suis surprise. Je t'ai dit que ce dernier verre allait te faire du mal. Viens, allez, attention. Oui. Dis-moi. Nous devons acheter une petite caisse de champagne pour faire la fête. Oui, nous le ferons. Oui, je les prendrai. Demain, je les achèterai. Mais pour le moment, couche-toi. Non. Laura, couche-toi, s'il te plaît. Tu veux? Non, je veux pas me coucher, je veux rien faire. Mais tu sais, c'est une bonne idée d'aller se coucher pour fêter comme il se doit notre dîner romantique. Oui, je sais. Allez, allonge-toi. J'arrive, s'il te plaît. Je me fais pas tomber. Mais non, regarde, je ne vais pas te faire tomber. Je vais faire quelque chose. Qu'est-ce je vais tu veux être faire? Comme tu veux ça faire dans le lit, je vais te faire un strip. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Un strip? Tu veux faire un strip? Oui. Allez, montre-moi. Bon, eh bien, préviens-moi quand tu auras terminé le strip pour que je revienne te coucher. Mais attends. Non. Quoi? Je veux que tu retires tous ces vêtements. Oui, d'accord, je vais retirer c'est tout. C'est chaud. Oui, je sais, mais j'arrive, ok? Parce que cet amour est un au revoir qui plus Laura, est. Attention, tu es en train de tomber, attention. Viens par là, attends, veux-tu? Non, Lorenzo. Attention. Je veux juste attention, faire tu un vas... tour comme attention, ça. Attention, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Recouche-toi, veux-tu? Allez, recouche-toi. Non, voilà. Lorenzo, tu sais à quoi je pense? Dis-moi, mon amour, à quoi? C'est ce que je crois. Je sais pas, mais je crois que je suis bourrée. Ah oui, un petit peu, oui. Seulement un tout petit mais peu, pas beaucoup, non. Mais d'habitude, je me saoule pas, oui, Lorenzo. Il y a une première fois à tout, mon cœur. Ne bouge pas de là, d'accord? Mais je crois que je suis saoule.
Non, et tu toi, ne vois pas. Non, ça ne se voit presque pas. Mais reste dis-moi tranquille. Dis-moi la vérité, ça ne se voit pas. Lorenzo. Pour de vrai, attention, tu vas tomber. Mon amour, ma tête me fait mal. Mais évidemment, mon cœur, tu as beaucoup bu. Oh. Hein. Mais reste ici. Il ne faut non, pas que tu bouges, d'accord ? T'en vas pas. Je vais voir s'il y a quelque chose contre le mal de tête, d'accord ? Oh. Laura, allonge-toi. Allez, tu vas tomber. Étends-toi plus vers l'arrière. Ouais, allonge-toi, sinon tu vas tomber et te faire mal. Je vais voir s'il y a quelque chose contre le mal de tête, d'accord ? Oh, dépêche-toi. J'ai mal à la tête. Laura, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas tes pilules ? Aïe. Quoi ? Qu'est-ce que c'est, hein ? Ce ne sont pas tes pilules ? Ben oui, mon amour, c'est mes pilules contraceptives. Et tu ne m'as pas dit que tu les avais arrêtées ? Je crois que c'est tout ce qui restait dans la boîte. Ouais, c'est tout ce qui restait donc dans la boîte, c'est vrai ? Donc il n'y a pas de problème, je vais les jeter, ouais, car tu ne les prendras pas. Les jette pas, hein ? Je vais les jeter, car tu ne vas plus les prendre. Je vais dans la salle de bain chercher quelque chose pour... Amour, je vais voir dans la salle de bain. Délicieux, c'était très bien. Mais non, fais attention, tu vas tomber. Hein. Je vais dans la salle de bain. Champagne. Attention, fais attention.